Vous en avez marre de dépenser des fortunes dans des écrans gaming? Aujourd'hui, j'ai enfin trouvé un écran 180 Hz qui est certainement un des moins chers du marché et un des plus performants. A tout de suite les amis. Eh bien bonjour les amis, c'est Dan. Bienvenue aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va unboxer et tester cet écran gaming en 24,5 pouces, un écran gaming 1080 HD en Dalvea, un écran FHD, que dire, je pense que c'est le moins cher du marché que j'ai pu tester à ce jour, mais certainement un des meilleurs, ou le meilleur, et en plus il consomme peu d'électricité. Alors, on va regarder l'unboxing de plus près les amis. Alors cet écran, le 25E3A, qui a un nom un peu rébarbatif, un peu barbare, hein, certes, mais comme vous pouvez le voir ici, au niveau de l'unboxing et du package, du bundle, il est extrêmement simple. On est sur un bout de carton, ce qui économise en fait sur le bundle. Il n'y a pas de coloris, il n'y a rien de spécifique à part l'essentiel. Eh bien écoutez, ma foi, c'est qualitatif parce que c'est assez simple et il y a tout ce qu'il faut dedans, l'essentiel. Donc l'écran et bien sûr un câble HDMI et un bloc chargeur. Alors au niveau des prises, vous avez bien sûr deux HDMI, vous avez une prise DisplayPort, une prise enceinte, donc une prise casque indirectement, et bien sûr la prise du chargeur 12 volts. C'est un écran qui consomme peu, ça me rappelle un peu les écrans Samsung aussi. Bon, il fait très plastique, il a un petit bouton qui est assez costaud quand même, je le manipule plusieurs fois, il n'y a pas de difficulté là-dessus. L'écran est extrêmement léger et en termes de finition plastique, il n'y a rien qui se décolle. Ma foi, après plusieurs semaines d'utilisation, je ne vois rien d'anormal. Donc ma foi, très bon écran en termes de présentation. La dalle n'a pas trop de reflets, voire quasiment aucun, elle est assez mate, pas de difficulté. Donc on est sur un écran 24,5 en FHD 1080p, format d'image 16:9. La surface de l'écran est de couleur mate, 1 milliseconde de réaction, 170 Hz, et en plus coruit fourni si vous le choisissez sur internet pour 25€ environ, 25€, un montage de système mural de la marque directement qui s'adapte parfaitement à l'écran ou à d'autres marques d'écran. Au niveau design, vous voyez, malgré l'aspect plastique, il est assez sérieux, pas mal fini, il n'y a pas de rayures, le plastique ne se raye pas, donc c'est très agréable et en plus il est très léger et l'ensemble fait quand même très qualitatif. Donc ici vous avez vu à peu près en termes de qualité de fabrication et de montage d'installation de l'écran. Hein. Voilà, donc il est très facilement reconnu par les PC, donc pas de difficulté là-dessus. Alors bien sûr on est sur un écran qui peut être aussi en 144 Hz, hein, en sRGB NTSC 72% avec une gamme de couleurs de 16,7 millions, un contraste dynamique en 3000.1, des images réalistes, des couleurs saturées, il y a une technologie anti-scintillement et un filtre anti-lumière intégré bleu, donc qui est vraiment assez qualitatif. Ici vous pouvez voir un exemple du modèle de bras qui est fourni par la marque Huawei que j'ai installé. Les modes, différents modes sont adapté directement sur l'écran dans les menus qui sont assez simplistes et dirigé directement depuis le petit bouton que vous avez vu en plastique. Il est à noter que Korui garantit cet écran 3 ans, donc c'est un gage de qualité. Ici, vous voyez l'écran allumé, les reflets, il n'y en a pas, il n'y a pas de scintillement, c'est très agréable en termes d'allumage. Donc on est sur un écran FHD en 1980p, ici il est directement en DisplayPort, donc je suis directement sur le maximum de capacité, donc on est directement en 180 Hz. En DisplayPort bien sûr, donc on est sur un écran qui a un contraste dynamique de 20 millions de couleurs avec un 250 CD au mètre carré en 8 bits, des couleurs riches et une capture de détails d'image impeccable. Donc il y a un angle réglable de -5 à 20% directement sur le pied et le support VESA, bah, comme vous avez vu, je l'ai utilisé directement sur le bras, donc on l'oriente exactement comme on veut. Le menu est très simple, il y a plusieurs modes, hein, bien sûr, intégrés directement dedans, FPS, RTS, Crosshair avec la croix intégrée et différentes capacités en réglage de couleurs directement intégrées dans les menus de l'écran. Ma foi, très simpliste, très sympathique. Il manque bien sûr une paire d'enceintes à l'intérieur, mais en soi, qui aujourd'hui sur un ordinateur se sert des enceintes sur son écran? Quasiment personne. Donc vous allez tous brancher votre casque directement sur l'écran ou sur votre tour via votre setup. Voilà. Il est à noter que nativement la marque préconise que cet écran est adapté au PC, au PC portable et bien sûr au Xbox. Alors il n'est pas précisé pour la PS5, je n'ai pas de PS5 pour tester mais je suppose que ça va être compatible aussi. Alors en 24,5 pouces, personnellement sur PC, sur un petit setup en écran d'appoint, c'est un écran intéressant. Pour les petits budgets, à ce niveau de prix, on est quasiment à 120€, 119€ avec frais de port inclus.
Alors n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Pour moi, ça reste un écran le meilleur en rapport qualité-prix à 119 euros. À très bientôt les amis.